Du coup, je voulais te demander, c'est un peu pour ça que je suis venu. Je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as contre moi? Rien. Pourquoi? Je sais pas, il me semble que tu t'éloignes, tu fais jamais plus signe. Faut toujours que ce soit moi. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait? C'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher. Alors. Alors, que veux-tu que je te dise? Si, dis-moi! Je te connais trop bien, il y a quelque chose d'échangé. Ça me fait de la peine, tu sais. Mais moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois! Que veux-tu? Je t'aime tout autant, tu sais. Ne crois pas ça, mais c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort? Pourquoi veux-tu pas le dire? Il y a eu quelque chose? Non. Vraiment rien, rien qu'on puisse dire. C'est donc si terrible. Non, pas terrible, ce n'est pas ça. Je te demande, au nom de tout ce que tu prétends que j'ai été pour toi, au nom de ta mère, de nos parents, je t'adjure solennellement, tu peux plus reculer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le, tu me dois ça. Je te dis, ce n'est rien qu'on puisse dire, rien dont il soit permis de parler. Allons, vas-y. Eh bien, c'est juste des mots. Des mots? Quel mot? Tu me fais languir, tu me taquines. Non, je ne te taquine pas. Tu ne comprendras jamais. C'est toujours, je suis pas si obtus. Aussi, pour ça, tu l'es. Vous l'êtes tous. Alors chiche, on verra. Eh bien, tu m'as dit il y a quelque temps. Tu m'as dit, quand je me suis vanté de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quel succès, oui, dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, c'est bien ça. Juste avec ce suspens, cet accent. Pas vrai. Je peux pas être ça, c'est pas possible. Tu vois, je te l'avais bien dit. À quoi bon? Non mais vraiment, c'est pas une plaisanterie, tu parles sérieusement? Oui, très, très sérieusement. Dis-moi si je rêve, si je me trompe. Tu m'as fait part d'une réussite, bien réussite d'ailleurs. Oh, peu importe, une réussite quelconque. Et je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y a entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Un accent mis sur bien, un étirement bien et un suspens avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance. Et ça, oui, c'est le cas de le dire, c'est ça, précédé d'un suspens, t'a poussé à rompre. Oh, à rompre. Non, je n'ai pas rompu. Enfin, pas pour de bon. Juste un peu d'éloignement. C'était pourtant une si belle occasion de laisser tomber, de plus jamais revoir un ami de toujours, un frère, je me demande ce qui t'a retenu. C'est que ce n'est pas permis, je n'ai pas eu l'autorisation. Ah. Tu l'avais demandé? Oui, j'ai fait quelques démarches. Auprès de qui? Eh bien, auprès de ceux qui ont le pouvoir de donner ces permissions, des gens normaux, des gens de bon sens, comme les jurés des cours d'assises, des citoyens dont on peut garantir la respectabilité. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, c'était à prévoir. À la suite de cette demande, on a enquêté sur moi et on a découvert. Ah. Quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? On a su qu'il m'est arrivé de rompre, pour de bon, avec des gens très proches, pour des raisons que personne n'a pu comprendre. J'avais été condamné sur leur demande. J'ai appris que j'avais un casier judiciaire où j'étais désigné comme celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Ça m'a donné à réfléchir. C'est pour ça qu'avec moi, t'as pris des précautions. Rien de voyant, rien d'ouvert. Peut me comprendre. Rond pour un oui ou pour un non. Tu te rends compte? Si on m'avait prédit, vraiment, c'est le cas de le dire, pour un oui, pour un non. Parce que j'ai dit c'est bien ça, oh pardon, je n'ai pas prononcé comme il fallait, c'est bien ça. Oui, de cette façon, tout à fait ainsi, avec cet accent mis sur le bien, avec cet étirement, oui, je t'entends, je te revois, c'est bien ça, et je n'ai rien dit. Je ne pourrai jamais rien dire. Mais si, dis-le. Entre nous, voyons, dis-le, il faudrait peut-être comprendre. Ça peut pas que nous faire du bien. Parce que tu ne comprends pas. Non, je te répète, j'ai sûrement dit en toute innocence, du reste, je vais être pendu si je m'en souviens, j'ai dit ça quand? À propos de quoi? J'avais profité d'une imprudence. Je peux dire que j'ai été te chercher. Qu'est-ce que tu racontes?
Oui, j'y suis allé, comme ça, les mains nues, sans défense. J'ai eu la riche idée d'aller me vanter. J'ai voulu me valoriser, j'ai été auprès de toi. Le target de je ne sais quel petit succès. J'ai essayé de grimper chez toi. J'ai voulu me hisser là-haut dans ces régions que tu habites. Et tu m'as soulevé par la peau du cou, tu m'as tenu dans ta main, tu m'as tourné et retourné, et tu m'as laissé retomber en disant « c'est bien ça ». C'est dommage que tu ne m'aies pas consulté. J'aurais pu te conseiller sur la façon de rédiger ta demande. Il y a un terme tout près qu'il aurait fallu employer. Ah, lequel ? Eh bien, c'est le mot « condescendant ». Ce que tu as senti dans cet accent mis sur le « bien », dans le suspens, c'est qu'ils étaient ce qui se nomme « condescendant ». Je ne dis pas que tu aurais obtenu la permission de ne plus me revoir à cause de ça, mais enfin, tu aurais peut-être évité la condamnation. Admets, je t'en prie, même si tu ne crois pas que ça y était, oui, la condescendance. Je n'avais pas pensé à ce mot. Tu penses que je t'ai tendu un piège ? Tendu, j'ai exagéré. Il est probable que tu ne l'as pas tendu au départ. Mais après, quand tu as senti en moi ce frémissement, une nostalgie, un regret, alors tu t'es mis à déployer, à étaler, comme tu fais toujours quand tu étales devant moi. Étaler ? Moi ? Qu'est-ce que j'étale ? Ce qui est parfait, c'est que ça n'a jamais l'air d'être là pour qu'on le regarde. C'est quelque chose qui se trouve être là, tout naturellement. Ça existe, c'est tout. Comme un lac, comme une montagne. Ça s'impose avec la même évidence. Quoi ça ? Assume, métaphore. Qu'est-ce qui s'impose ? Le bonheur. J'étais heureux. Figure-toi que ça m'arrive. Et là, ça se voit, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Absolument pas. Un couple parfait, bras dessus, bras dessous, riant aux anges, ou bien vous regardant au fond des yeux. Mais un petit coin de votre œil tourné vers moi, un tout petit bout de regard détourné vers moi pour voir si je contemple. Tu étais jaloux ! C'est bien ce que tu voulais, c'est ce que tu cherchais, que je sois jaloux. Et tout est là. Tout est là. Il te fallait que je le sois, et je ne l'étais pas. Comment est-ce possible ? Ce ne serait donc pas le bonheur ? Le vrai bonheur reconnu partout, recherché par tous. Tu ne supportes pas qu'il puisse y avoir quelque part caché. Un autre bonheur, plus grand. Non, justement. C'est encore pire que ça. Un bonheur, à la rigueur, tu pourrais l'admettre. Vraiment, tu me surprends. Tu pourrais être si généreux que ça ? Oui, à condition qu'il soit reconnu, classé, que tu puisses le retrouver sur vos listes. Il faut qu'il figure au catalogue parmi les autres bonheurs. Alors ? Alors rien qui s'appelle le bonheur. Personne n'est là pour regarder, pour donner un nom. On est ailleurs, en dehors, loin de tout ça. On ne sait pas où on est, mais en tout cas, on n'est pas sur vos listes. Et c'est ce que vous ne supportez pas. Qui vous ? Pourquoi veux-tu absolument me mêler ? Si c'est comme ça que tu me vois, si c'était pour entendre ça, j'aurais mieux fait de pas venir. Mais je t'aime bien, tu sais, je le sens très fort dans des moments comme cela. Comme cela ? Oui, comme maintenant. Quand tu t'es arrêté là, devant la fenêtre, pour regarder. Avec ce regard que tu peux avoir, tout à coup tu m'es proche. Il y a là, c'est difficile à dire, tu le sens, n'est-ce pas ? Comme une force qui irradie de là, de cette ruelle, de ce petit mur là, sur la droite, de ce toit. Quelque chose de rassurant, de vivifiant. J'y comprends. Je ne sais pas. Mais pour moi, tu vois, la vie est là. La vie est là. Simple et tranquille. La vie est là, simple et tranquille. C'est Verlaine, n'est-ce pas ? Oui, c'est de Verlaine. Pourquoi ? De Verlaine, c'est ça. Oui. Je n'ai pas pensé à Verlaine. J'ai seulement dit la vie est là. Ouais, mais la suite venait d'elle-même. Avec un continuum. On a quand même fait nos classes. Je n'ai pas continué. Regarde, la vie est là. La vie est là. Ça. Mais voyons, je joue pas l'innocent. La vie est là, simple et tranquille. Je n'ai pas dit ça. Si,
Tu l'as dit implicitement, et c'est pas la première fois, et tu prétends que tu es ailleurs, à l'abri de nos contacts salissants, sous la protection des plus grands, Verlaine. Je te répète que je n'ai pas pensé à Verlaine. Mais bon, admettons, je veux bien, tu n'as pas pensé. Tu reconnaîtras qu'avec le petit mur, le toit, le ciel par-dessus le toit, on est en plein. Hein. Où donc ? Mais voyons dans le poétique, la poésie. Mon Dieu, comme d'un seul coup tout ressurgit, juste avec ça, ces guillemets. Quels guillemets ? Ce que tu places toujours autour de ces mots quand tu les prononces devant moi. Poésie, poétique. Cette distance, cette ironie, ce mépris. Moi, je me moque de la poésie. Je parle avec mépris des poètes. Pas des vrais poètes, bien sûr. Pas de ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur sol, dans leur niche. Les guillemets, ce n'est pas pour eux, jamais. Ah, c'est pour qui, alors ? C'est pour... Je ne veux pas. Ça nous entraînerait trop loin. Eh bien, je vais te le dire. C'est avec toi que je les place, entre guillemets, c'est beau. Ouais, avec toi. Et je sens ça en toi impossible de retenir, malgré moi, les guillemets. Voilà. C'est ici qu'est la source. Les guillemets, c'est pour moi. Dès que je regarde par la fenêtre, dès que je me permets de dire « la vie est là », me voilà aussitôt enfermé dans la section des poètes. De ceux qu'on place entre guillemets, qu'on est offert. Oui. Moi aussi, puisqu'on m'en a. Il y a des scènes où je me souviens. Il y en a une surtout. Il y a peut-être oublié, c'était du temps où nous faisions de l'alpinisme. Nous étions cinq. Nous deux copains. Un guide, on était en train de redescendre. Mais tout à coup, tu t'es arrêté, tu as stoppé toute la cordée, tu as dit, sur un ton. Si vous arrêtez un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. J'ai dit ça. J'ai osé. Ben oui. Et tout le monde était obligé de s'arrêter. Nous étions là, à attendre, piétinant et piaffant. Pendant que tu contemplais. Devant vous, il fallait que j'aie perdu la tête. Non, mais non. Tu nous forçais à nous tenir devant ça, en arrêt, que nous voulions, nous. Alors, j'ai pas pu résister, j'ai dit, allons, dépêchons, pas de temps à perdre, tu pourras trouver en bas, chez la papetière, des jolies cartes postales. Ah oui, je m'en souviens, j'ai envie de te tuer. Mais moi aussi. Et tous les autres, ils avaient pu parler. Et moi, oui, rien qu'à cause de ça, de ces cartes postales. Comment ai-je pu te revoir ? Ouh, l'as dû y avoir après, un moment où t'as pris espoir. Espoir ? Après ça ? Oui. T'as dû avoir le choix d'espoir, comme tout à l'heure, devant la fenêtre, quand tu m'as tapoté l'épaule. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Mais oui, tu sais le dire aussi, en tout cas. T'insinuer, c'est bien ça. Voilà un bon petit qui sent le prix de ces choses-là. On croirait pas, vous savez tout bien aussi à qui il est. Tout à fait capable. Mon Dieu, moi qui avais cru à ce moment-là, comment je peux oublier ? Je le savais, je l'ai toujours su. C'est quoi ? C'est quoi ? Dis-le ! C'est qu'entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci, une lutte à mort. Oui, pour la survie. Il n'y a pas de choix, c'est toi ou moi. Il faut bien voir ce qui est. Nous sommes dans deux camps adverses. Deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. Quel camp ? Ils sont à nous ? Allez, non, c'est pour toi. C'est toi, c'est vous qui mettez des noms sur tout, vous qui placez entre guillemets. Moi, je ne sais pas. Eh bien, moi, je sais. Tout le monde le sait. À côté, le camp où je suis, hein, celui où les hommes luttent, où ils donnent toute leur force, ils créent la vie autour d'eux, pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous vivent. Et d'autre part, bien. Non. Si. Je vais le dire pour toi. Et bien de l'autre côté, il y a les ratés. Tu peux dire ça. D'ailleurs, tu travailles. Oui, juste pour me permettre de vivoter. Je ne consacre pas toutes mes forces. Ah, t'en gardes. Je te vois venir. Non, non, je n'en garde pas. Si, tu en gardes. Tu gardes des forces. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? À quoi bon ça cherche ? Ce serait tellement plus sain. Chacun de nous,
Plus solitaire, la meilleure solution. Et tu sais bien comment tout ça. Même toi, t'as pas osé le prendre sur toi. Non. J'ai besoin qu'on m'autorise. Et moi donc. Tu me connais. Qu'est-ce que tu crois? Oui? Non. C'est pourtant pas la même chose. Thank you.